Et salut les louloutes, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va faire un petit test rapide histoire de montrer l'utilité et le fonctionnement à tout le monde de Dropbox. Dropbox, c'est quoi? C'est tout simplement le système de sauvegarde en ligne du cloud computing à l'état pur. De vos données sont dans les nuages, en fait, d'où le cloud. Dropbox, ça va servir à quoi? Concrètement, vous allez avoir un dossier. C'est un service qui va mettre un dossier dans votre dossier de départ où vous voulez. D'ailleurs, vous le placez où vous voulez. Et ce dossier va être synchronisé dans les nuages sur un site internet. Donc, vous me connaissez, j'aime pas trop mettre mes données à l'extérieur. Je me suis renseigné, il n'y a jamais eu de problème avec Dropbox. Bon, ni de plantage, ni quoi que ce soit. C'est surtout ça qui est important, la fiabilité et la sécurisation des données qu'on confie à un système. Et surtout le fait qu'on vienne pas y rentrer. Apparemment, c'est un truc nickel, réglo comme il faut. Donc, je me suis lancé et j'en suis très content. Donc, Dropbox va créer un petit dossier dans votre dossier de départ, sur votre bureau, dans votre dossier image, où vous voulez. Et tout ce que vous allez mettre dans ce petit dossier va être synchronisé donc avec le site internet de Dropbox pour que vous puissiez accéder de n'importe quel ordinateur avec votre login et mot de passe du site Dropbox. Vous y accédez, vous chopez les fichiers, etc. Sur un autre Mac, typiquement pour moi, c'est pour ça que ça m'a servi, c'est pour synchroniser certains fichiers de l'administratif, des factures, etc. entre l'iMac et le MacBook Pro. Donc vous allez de la même manière créer un dossier dans votre dossier de départ, sur votre bureau, etc. Dropbox, dans lequel tout se synchronisera entre les deux ordinateurs. Et aussi sympa que les deux premières solutions, la possibilité avec une application iPhone d'accéder à votre dossier Dropbox. Il faudra qu'on me confirme si éventuellement ça existe sur BlackBerry ou sur autre plateforme. Je pense que oui, je vois pas pourquoi. Toujours est-il que là c'est très sympa. Par exemple, quand j'étais chez mon paternel la semaine dernière, il fallait que j'accède à un fichier, mais bim, j'avais pas d'ordinateur, je l'ai fait avec l'iPhone et sa connexion réseau, et ça a été très bien pour vérifier une petite phrase que j'avais mis dans un texte. C'était donc très pratique et surtout très simple. Là où ça devient sympa, en plus de vous permettre de sauvegarder vos fichiers, que ça soit du Pages, du Number, du Word, du Excel, des JPEG, des ce que vous voulez comme type de fichier, ça va vous permettre aussi de sauvegarder vos préférences d'application. Et ça, je m'en sers que depuis hier, en fait, puisque pour le moment, je voyais pas l'utilité, tout simplement, puisque j'avais configuré mon MacBook Pro depuis l'iMac, donc évidemment, la configuration était la même. L'intérêt va être que là, vous pouvez, par exemple, pour Radium, je vais vous montrer comment faire rapidement, vous allez pouvoir synchroniser les préférences d'Adium grâce à un lien symbolique. Un lien symbolique, c'est quoi? C'est tout simplement un dossier qui va renvoyer vers un autre dossier, qui c'est un alias, quoi, pour simplifier. Allez, c'est un alias sur votre ordinateur, c'est un dossier qui renvoie vers un autre dossier de votre ordinateur dans lequel est réellement le contenu. Je vous invite donc dans l'article ci-dessous, cette vidéo en dehors de l'article qu'il y a sur le blog va pas vous apporter grand chose, et c'est pour ça qu'il faut retourner sur le blog pour voir le billet. Je vous invite donc à vous rapprocher de l'article qu'a fait Mac Génération pour expliquer comment créer un lien symbolique et surtout comment installer le logiciel qui vous permet de créer ces liens symboliques. Alors pour créer un lien symbolique, le billet qu'il vous faudra, c'est celui de Mac Génération qui est ici. Dropbox et les liens symboliques sous Snow Leopard. Il y a toute la procédure pour Snow Leo. Si vous voulez la procédure pour Leopard, elle est un petit peu plus haut. Il vous suffit de cliquer ici et donc vous revenez sur le test de Dropbox, etc. qui a été très bien fait. Encore une fois, baladez-vous sur le net, il y a pas mal d'astuces. Ce qu'on va regarder là, c'est la synchro d'appli. Donc par exemple, ici on a Adium 2.0. Donc Adium 2.0 va stocker ses préférences dans utilisateur, bibliothèque, application support, Adium 2.0. On est d'accord? Là il est vide, j'ai mis un dossier à la com pour vous montrer. Je vais maintenant dans ma Dropbox. Sur mon ordinateur, où c'est que c'est Ether. Sur mon ordinateur, j'ai ici Adium 2.0 avec toutes mes infos, etc. Qui sont donc sauvegardées sur Dropbox et sur l'iMac qui est à côté. Je vais tout simplement faire un clic droit sur Adium 2.0. Make symbolic link, ce qui veut dire avec un superbe anglais créer un lien symbolique. Je fous ce truc sur le bureau, comme ça sert à rien qu'il me le synchronise avec la Dropbox. La particularité avec Adium, c'est qu'il ne tolère pas le Adium 2.0 symlink. Quand il a le symlink à la fin, il fait la gueule, il n'est pas content, il lui faut le nom exact, donc Adium 2.0. Avec les modèles sous Pages par exemple, vous pouvez mettre mes modèles symlink, il n'y a aucun problème. Donc là on prend Adium 2.0, on vient supprimer dans les préférences celui qu'il y avait d'origine, clac. Je prends celui-là, on va faire un copier-coller, ça m'évitera de venir le mettre dans un dossier.
copier-coller. J'ai donc mon dossier ici. Et avec tous mes petits fichiers qui vont bien, vous voyez, il y a la petite case verte qui veut dire que ça s'est synchronisé. Et si je me connecte maintenant sur Radium, j'aurai la même interface, les mêmes préférences, les mêmes statuts d'absence, etc. que sur mon iMac. C'est là un des intérêts pour des applications que vous utilisez souvent, par exemple, pour les modèles sous Pages et pour, comme je vous disais, des fichiers qui peuvent être ici. Tant qu'on est sur l'ordinateur, je vais vous montrer rapidement. Vous avez ici, donc ça on peut le fermer, ça sert plus à rien. Vous avez ici, dans la barre des menus, donc un petit truc qui vous dit, vous utilisez 1,5% de 5Go2, tout simplement parce que j'ai pas encore trop mis de dossier dessus, puisque pas nécessairement l'utilité, mais ça va pas tarder. Et vous avez accès ici à toutes les prefs, machin. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre, comme je vous le disais, Dropbox crée un dossier dans votre menu menu de départ. Donc quand vous cliquez sur le Finder, la boîte qui s'ouvre avec images, vidéos, etc., c'est le menu de départ. Donc il va créer un dossier Dropbox à l'intérieur. Il vous suffit tout simplement de faire un clic sur ce dossier Dropbox et de lui dire que vous créez un alias, un petit peu comme ici, créer un alias, clac, et je me retrouve avec, vous voyez la petite flèche en dessous, MacBook Hard Drive alias. C'est-à-dire que si je double-clique dessus, c'est exactement comme si je cliquais sur la vraie icône, sauf que ça, ce n'est qu'une icône, comme un raccourci sur les Windows par exemple. Voilà, alors c'est rapide, ça va vite, Dropbox, etc. C'était juste pour vous montrer sur l'ordinateur cas concret, en mouvement, je dirais, de ce que je vais vous mettre dans l'article en dessous. J'essaye d'étoffer un petit peu plus l'article, quand il y aura le wiki, ça sera encore plus détaillé, ça sera trop bien. Quoi vous dire, je vais vous mettre dans l'article un petit lien pour vous inscrire dessus. Ce petit lien a l'avantage de me faire gagner 250 mégaoctets par personne qui s'inscrit. Ça s'appelle un lien de parrainage. Je vous invite à faire de même quand vous aurez votre Dropbox, à partager ces liens avec vos amis. Si vous un blog, vous pouvez faire un billet comme moi, ça vous permettra de gagner un petit peu d'espace, même si vous l'avez vu, je suis à 2% sur 5Go, c'est pas l'espace qui est important, tout simplement parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, il nous met un lien de parrainage, tout ça, pour pouvoir avoir de l'espace en plus, franchement, bof. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur Dropbox, la suite est dans l'article, bon Dropboxing à vous, et c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'était Locan pour Locan.fr, passez une bonne fin de journée, ciao ciao. Push the tempo, push the tempo, push the tempo. Push the tempo.